après Chartres et Montauban, on est ravis aujourd'hui d'ouvrir un équipement ici à Limoges d'une telle ampleur. C'est un équipement magnifique qui va nous permettre de réaliser tout ce qui se fait aujourd'hui en piscine. C'est un vrai plaisir pour nous et une vraie fierté de compter dans le parc des équipements Vert Marine, cet équipement qui ouvre aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas dit le bout d'émotion que j'ai quand même ici, au moment où on ouvre ce centre, en se disant que c'est 10 ans de travail. C'est un travail collectif, c'est-à-dire que c'est pas moi, hein, c'est moi en partie, à ma place, et c'est les équipes techniques, c'est les équipes administratives, c'est des élus, hein, et j'ai salué l'ancien maire de Limoges qui a été à l'origine du projet. C'est une vraie satisfaction, parce que cette satisfaction de la reconnaissance d'un énorme travail collectif. En France, c'est vrai qu'on manque cruellement de piscines, on manque cruellement de moyens et la piscine, ça devient un espace ouvert à tout le monde. C'est un espace qui doit être public, qui doit être accessible par toutes les populations, mais il ne faut pas négliger des sportifs en herbe et des sportifs de haut niveau. Et cet équipement répond tout à fait à l'installation d'un pôle espoir ici, et peut-être plus tard, je l'espère, d'un pôle France, pourquoi pas. Donc ici, vous avez un centre très important qui va être un facteur de développement quand même pour la Haute-Vienne, avec des espaces sportifs, avec un bassin olympique, avec un bassin multifonction, un espace ludique dédié à la famille, très développé avec sa petite lagune de jeu, quand je dis petite, avec ses trois bassins de lagune de jeu, son espace ludique, et un espace soin du corps extrêmement développé avec du cardio, de la muscu, des saunas, des hammams et un espace soin du corps, salle de détente et tisanerie.